Si certains pensaient encore qu'Émilie Ratajkowski avait cédé aux appels de la chirurgie esthétique, cette photo remet les pendules à l'heure. La mannequin a publié ce mercredi un souvenir de son adolescence, alors qu'elle était âgée de 13 ans. Verdict, elle n'a pas changé d'un poil. Physiquement, tout d'abord, mais aussi dans l'attitude, puisque la jeune Émilie s'amuse déjà à poser comme un top modèle devant l'objectif. Débardeur moulant vert et jogging en velours, son style de 2004 a retrouvé les bonnes grâces des modeuses aujourd'hui. Preuve en est, ils sont nombreux parmi les internautes à complimenter sa tenue dans les commentaires. Jamie, ton choix vestimentaire, commente l'une. Mignonne, habillée à la mode d'aujourd'hui, ajoute une autre. Mais ce qui frappe le plus les 28 millions d'abonnés d'Émilie Ratajkowski reste sans doute sa beauté à un âge pourtant supposé ingrat. Pas de choix capillaire douteux, d'appareil dentaire ou de peau acnéique pour la mannequin. Non, un simple copier-coller, plus jeune, de son apparence actuelle. Pourquoi je ne ressemblais pas à ça quand j'avais 13 ans ? S'interroge une internaute. Si est-il pas juste que tu ressembles à ça à 13 ans, dit une autre. Je ressemblais à une patate quand j'avais 13 ans, lance une troisième. Cette photo rappelle également que nous ne sommes pas tous égaux face à la génétique. Émilie Ratajkowski, cette photo qui a fait des envieux sur la toile, ce n'est pas la première fois qu'Émilie Ratajkowski suscite un sentiment d'injustice parmi ses abonnés. Souvenez-vous, en avril dernier, alors qu'elle venait de donner naissance à son fils un mois plus tôt, la mannequin affichait une silhouette longiligne et un ventre ultra plat sur Instagram. Une publication qui avait créé quelques complexes parmi les jeunes mamans. Loading widget.